blasphémateur. Le blasphémateur. J'ai vu sur Facebook, c'était je crois avant-hier, une publication qui nous a fait rigoler à la maison. Mais moi, en tant que pasteur, c'était pour moi une matière à réflexion. J'ai vu, je ne sais pas, c'est par Photoshop ou comment est-ce qu'ils ont fait ça. C'est un billet de 100 dollars où quelqu'un était en train de parler. Si vous êtes chrétien, vous devez jamais commenter une telle publication, moins encore le faire. C'est un élément très grave dans la marche avec Dieu. Vous avez entendu cette personne dire, c'est moi le Saint-Esprit, votre consolateur. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, tout péché sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Dans ces siècles ni dans les siècles à venir. Comment c'est possible? J'ai vu les enfants de Dieu rigoler. Parce que il y a, c'est une phrase comme ça. Je suis là, 100 dollars, c'est moi votre consolateur. Je suis le Saint-Esprit. Quelle bassesse. Quel niveau, quel blasphème. Comment quelqu'un peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Comment? Et nous, enfants de Dieu, quand nous entendons ce genre de choses, quelle doit être notre réaction? Et comment est-ce que nous devons normalement nous comporter? Les hommes deviendront blasphémateurs. Nous le voyons. Ça, ce n'est pas à chercher.